Après avoir rencontré il y a quelques jours le président de la Chambre des représentants libyenne, la diplomatie marocaine accueille dans son siège le chef du gouvernement de transition en Libye, Abdelhamid Dbeibah. L'occasion de rappeler le soutien constant du Maroc et son accompagnement des efforts du peuple libyen et des institutions légitimes libyennes afin de préparer les prochaines échéances électorales. La réunion de toutes les conditions pour la réussite des échéances électorales prévues le 24 décembre prochain permettra aux Libyens de jouir de la stabilité, de mettre fin à la présence étrangère et de réaliser le développement. De son côté, Abdelhamid Dbeibah a salué les efforts déployés par le Maroc en vue de réaliser la stabilité de son pays. Cette visite se veut l'expression de la profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohamed VI pour les efforts déployés dans le but d'unifier les institutions libyennes et bien sûr d'assurer la stabilité de la Libye sur les plans politiques et sécuritaires. Garantir la tenue simultanée des élections présidentielles et législatives le 24 décembre prochain et assurer le départ des mercenaires étrangers de la Libye. Tels sont les principaux enjeux actuels de la crise libyenne. Pour le chef du gouvernement libyen, il est aussi nécessaire de réactiver l'union du Maghreb arabe qui permettrait de surmonter toutes les difficultés et de relever tous les défis dans la région.